Bonjour à tous. Belle petite réparation, ben belle petite tentative de réparation. Je vais torser des affaires. J'ai une Microsoft Surface ProBook ici. Le client me l'a apporté. S'en sert pour travailler. Puis ça presse. Il a échappé un verre de gin tonic, je pense. Il me semble qu'il me dit ça. Sur le clavier. Il s'est dépêché à tout essuyer, mais là, il essaie de charger avec le clavier, puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'il m'a demandé de vérifier le clavier rapidement. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça? Ça fait que on va commencer par détacher la tablette. C'est toute une procédure bizarre, là, pour détacher la tablette. Moi, je prends une broche, comme ça, en métal. Ça prend quelque chose qui est bien raide. Puis je viens rentrer dans le côté. J'ai des petits trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rentre dans le sixième. Je vais le mettre demain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, oups, c'est back. Là, faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Mais là, quand tu essaies de débarquer un bord, là, tu essaies de rembarquer. Pas évident. On va se mettre un. Ah, mon petit maudit. Il est rentré. Je vais y mettre de quoi entre les deux. Là, qui peut bloquer là, entre les deux. Là. La petite tabarouette. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. On l'a eu. Fait qu'on va pouvoir y recharger sa tablette. On va mettre ça ici. Ah! Là, il commence à recharger. On va y laisser charger la tablette. Moi, j'ai ça parce qu'il y avait des modèles qu'on a. Bon, on a une petite lumière. Oh, le chargeur, il en arrache. Contact, il se fait plus ou moins bien. Bon, charge. Là, c'est ça qui m'intrigue. Il doit y avoir une façon de démonter ça. Là, je vois que en dessous ici, ça doit être en dessous des deux bandes. On va démonter ça. Je pense que c'est juste rentré à pression. Ouais. C'est juste rentré à pression. Bon, je suis allé m'informer parce que ce modèle-là, c'est la première fois que je l'ai démonté. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc, on va commencer par venir chauffer ici un peu, tout le tour. Ça, c'est correct, ça reste là. Puis après ça, on va prendre un couteau. Ou ça. Ça. Une carte de plastique comme ça. Pour venir décoller le couvercle à l'arrière.
Fait que, on va commencer par chauffer ça un peu. Pas grand, pas une grosse température, là. J'ai mis 350. Là. C'est vraiment juste pour chauffer un peu. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce clavier-là. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça se veut pas, c'est en métal ça, ça laisse des marques. Waouh, c'est mal fait là. Ça sent bien. N'est pas un job facile. Le v'là. Hey, mais c'est tout un job. C'est collé le tout le long ici. La batterie collée dans le couvert. Il va falloir que je fasse un petit peu de débossage. C'est de la tôle, celle-là. Là. Wow! Puis il va falloir que j'aille vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui a sauté. Jusqu'à date, au niveau des câbles, ça a l'air d'être bien beau. Mais ce qui m'intéresse, ça c'est dans triple attention. Tiens. Non. Il est là. Et voyons. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que je fais pour vous? Fait que je vais sortir la carte mère de là. Je vais aller vérifier parce que là, je me rends compte que... Oups, là, ça allume. Ça veut dire que ça devrait charger. S'il allume. On va aller vérifier pareil, là. Je sais qu'il a échappé du liquide dessus. Fait que tant qu'à l'avoir là, on va démonter ça. Bon, ben, je vois bien qu'il y a quelque chose qui a coulé là. Ça n'a pas l'air d'avoir trop endommagé pareil. Mais ça a passé bord en bord. C'est vraiment le branchement. La connexion pour la charge.
C'est vraiment où est-ce qu'il y a le connecteur pour la charge que ça a montré. Là. Il y a un peu de collant un peu partout. Ça a coulé un peu partout là. Mais où est-ce qu'il y a le branchement pour la charge là? On va le voir mieux sur le motherboard là. Mais ça a vraiment coulé là. Bon. Quatre mains maintenant. C'est parti maintenant. Ok, c'est pas grand chose. Mais on voit bien que. Hein? Il y a de l'eau qui a été là en masse au niveau du connecteur de la batterie. Fait que j'imagine qu'à l'interne, ça doit être pareil. Si je fais le tour de la carte mère, oups, c'est une trace là. Il y a une trace ici. Le gommé. Oh, regardez ça ici. On va essayer de nettoyer ça. Parce que je vois qu'il y a du gommé un peu partout là. Là-dessus, ça a créé des shorts. Ah, il y en a eu un peu partout. Et d'enlever le gommé partout. Là, c'est le connecteur ici. Il est très sale en dedans. J'ai même peur que ça ait créé un court-circuit. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Il allume immédiatement. Tantôt, je jouais avec puis il ne marchait pas. Et voilà. Il allume de tous les côtés maintenant. Je pense qu'on va être correct. Je vais le revérifier là, au microscope. Là, tout ce que j'ai nettoyé. On va le remettre du même sens qu'on était. Là, il était crotté là. Ici.
déjà de la corrosion qui commençait à se faire là. Ouais, de la corrosion qui se faisait là. Je vais repasser un autre coup là, ici aussi. Ça a l'air d'être propre ça. Ici, il y a encore de la gomme. Bien. Prochaine étape. Là, on se promène aléatoirement pour faire des tests s'il y a des courts-circuits. Ça non. Ça non. Je check surtout les gros condensateurs. Ma connexion est là. Là, j'ai des filtres ici. Je me mets ça au grand, positif au grand, puis ça ici. Pas de court-circuit. Il n'y a pas l'air d'avoir de court-circuit nulle part ici. Non, tout a l'air d'être beau. Fait que je pense qu'on va remonter ça et on va tester ça. Bon, j'ai remonté ça. Ça se met à charger tout de suite. On va laisser charger un bout pour voir. Bon, ben après avoir nettoyé complètement tout le board, remonté ça en place, je l'avais branché toute la nuit avec le chargeur du client. Rien, niette. Un matin, j'essayais de l'allumer, il me montrait une grosse batterie complètement vide. Je me suis souvenu que j'avais un chargeur pour un Surface Pro ici. Je l'ai pris, je l'ai mis dessus. L'ordinateur est parti tout de suite. Probablement qu'il s'est passé quelque chose, là, puis que ça, ça a lâché. Le pire, c'est que la lumière allume, là. Quand je le branche, la lumière allume. Mais il ne charge pas du tout. Puis là, je viens de mettre mon propre chargeur dessus. Il fonctionne numéro 1. Vous avez, l'ordinateur allume, mais je ne sais pas s'il va charger par contre. Je vais demander le code d'accès parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de demander le code d'accès au client. Puis je vais essayer de checker si l'ordinateur se charge. Bon, finalement, je vais recoller le couvert en dessous. Mais juste avec la colle que je me sers pour coller les écrans de tablettes et de cellulaires. Comme ça, ça va être plus facile à enlever. Pourquoi ça va être plus facile à enlever? C'est qu'on va commander une nouvelle batterie pour le clavier. Ça peut prendre jusqu'à 15 jours avant de l'avoir, puis le client a besoin pour travailler sur l'ordinateur. Ça fait que on va remonter ça temporairement. Il va pouvoir s'en servir. Puis, quand il va avoir sa batterie, il va revenir ici, je vais enlever le couvert, je vais y mettre la nouvelle batterie. Puis c'est fini, là. Fait que, ça, pour aujourd'hui, on arrête ça là. Puis quand je vais remplacer la batterie, je vais refaire une autre petite vidéo là-dessus. Merci.